Salut à tous, c'est Infinity pour une nouvelle vidéo en mode normal sur Hello TV, bien sûr, vous le savez. Donc on est chaud bouillant, voilà. Alors on a enfin fini déjà deux missions, c'est assez rapide. Alors voilà, réussir les objectifs, transférer 5 unités en 10 secondes à l'aide d'un porte... Ah, easy! Activer tous les accumulateurs en moins de 15 minutes dans la mission, la lance d'Adwin. Donc activer tous les accumulateurs en moins de 15 minutes, c'est-à-dire que je pense qu'on a 15 minutes pour finir la mission et il faut faire ça. Donc en gros, va falloir rusher comme des sagouins. On est chaud bouillant, on est chaud patate, on va y arriver facilement je pense. 15 minutes pour finir la mission, je suppose, ou alors je ne sais pas vraiment ce que c'est, mais on verra. Donc en gros, on a 15 minutes pour activer tous les accumulateurs, voilà. Et on a 15 minutes pour faire ça, on a aussi 5 warps à faire en 10 secondes, ce qui devrait pas être trop compliqué, avec 5 warp gates bien sûr. Donc voilà, donc on va faire 5 gates pour warper, et on va voir ce qu'on a. On gagne la batterie de bouclier, donc ça c'était un peu cheaté dans SC1 j'avoue. Du coup là voilà, donc on n'a pas de trucs. Les canons à photons peuvent défendre notre Nexus hiérarque. Oh. Il ne leur manque qu'un pylône pour être opérationnel. C'est pas un peu pété ça? Cliquez sur le bouton déploiement de pylône en haut de votre écran de commande. Nos canons peuvent maintenant tirer sur les ennemis à leur portée. Endommagé, la batterie de bouclier pourra la restaurer. Ces défenses vont effectivement être vitales pour notre évacuation. Bon, c'est pas du tout. Mais alors pas du tout. Mais alors pas du tout. Chité. Les accumulateurs, ça a l'air d'être ça. Faut que je libère les 5. Ok. En très peu de temps. On va aller voir ce qu'il y a. Ouais, bon, ça a pas l'air d'être très compliqué. Hein. On va essayer de gratter un peu. Transformer nos portails en portes de transfert. Cela nous permet de transférer des guerriers en tout point alimentés par un pylône. Et voilà, donc ça c'est fait. Ah voilà. Fameuse warp gate, je me disais comment est-ce qu'on va faire si on n'a pas de warp gate? Ça allait être compliqué, du coup on va faire ça comme ça. Donc la porte de transfert, comment ça? Oh, ça va, c'est pas totalement pété. Bordel, c'est totalement cheaté. Vous avez vu, on peut avoir 3 charges. Ah, mais c'est bon, 3 gates, ça suffit. Non, on va peut-être monter à 4, mais... Le second générateur est opérationnel. Les capteurs de la lance sont en train de se réactiver. Ah, d'accord, c'est pas ce que je pensais. Tourne pas le dos à ton destin, Artemisa. Ton peuple a enfin trouvé une véritable... Toi, je sais pas qui t'es, mais comment t'as la classe? J'ai que ça à dire. Capteur en ligne. Mais, comment? What? Des prismes de transfert approchent de notre Nexus. Tracker, éliminez ces prismes de transfert. Vous n'avez pas assez de minerais. Focus unité qui est dedans, elles font deux fois plus de dégâts. Donc vous avez entendu, il faut que j'aille manger, donc clairement... voilà. Bon, je ferai ça... j'irai manger après, bien sûr. Hein. Mon frère qui m'a prévenu, c'est l'heure de manger. Je crois. Je suis chaud. Ouais, parce que bon, c'est quand même, je pense que vous commencez à comprendre. Une petite vie tranquille au pépère. Bon, plus sérieusement, 5 unités. Voilà. Donc, on a réussi le haut fait. Pas très compliqué, j'ai l'impression. Enfin, vous avez pu constater. C'était pas très très compliqué. Du coup, j'attends les Zerglings là. Je sais pas trop où ils sont. Oui, ils sont peut-être déjà morts en fait, c'est peut-être ça l'idée. Oh non. D'accord. Donc on a encore 10 minutes avant l'arrivée, enfin avant la fin de la mission potentielle, on va dire ça comme ça. Du coup, on va avancer un peu. Bah en fait, on va peut-être voir un stalker OP, genre, parce que c'est totalement OP les stalkers, voilà. C'est un peu cheaté le coup des warps, j'avoue. Ah, on a bien, on peut déployer un pylône ici. Ah mais ça coûte pas, ah ça coûte de l'énergie. Oh, hop. Ah ouais, d'accord. Bah viens, comment? La capacité à déployer un pylône de la lance d'Adoun serait idéale, même si nos sondes peuvent elles aussi déclencher des transferts de pylônes.
Nos troupes ont découvert une porte de transfert. Nous n'avons plus qu'à placer un pylône pour l'alimenter. C'est totalement cheaté, hein. Je dis ça, je dis rien. Hein. Donc ouais, le but aussi c'est de faire tous les trucs, hein, bien sûr. Donc, Oh. Nous pouvons immédiatement commencer à transférer les guerriers, Garak. Non mais c'est bon, faut arrêter là. Faut arrêter de me donner des... Oh, je suis désolé, c'est trop beau. De voir l'Empire Protoss aussi beau. Non mais sérieusement, vous pouvez pas... Si vous êtes pas pour joueur Protoss, vous pouvez pas comprendre de toute manière. Vous avez pas la mentalité, donc... J'essaie même pas de m'expliquer avec vous. J'en ai marre. C'est trop beau, je sais pas, ça s'asseoir d'une manière tellement gracieuse, tellement belle. Non, belle, ça, je sais pas, ça fait un peu débile, mais bon, ça fait, c'est trop beau, hein, voilà. Faut comprendre, je sais pas, un peu gentil, je sais pas. Bon, bref. C'est totalement pété. J'ai remis en service une autre porte de transfert. Préparez-la pour un usage immédiat. Même le sol sous tes pieds contient les graines de mon triomphe. Ouais, alors que là, faut qu'on se barre vite. Tous deviendront un. Tous les conflits prendront fin. J'avais pas vu ça comme ça au début, j'avais pas vu que c'était... Oh, c'est vraiment méchant, quoi. C'est vraiment méchant. Ah, mais en vrai, mais c'est trop bizarre. En plus, il y a des dragons et tout. Ah, vite, là, faut finir la mission, vite. Cessez de lutter. C'est un petit peu trop pété. Ah cool, elle est là. Ah cool, j'ai un pylône gratuit. Bon, celui-là, il va faire mal à récupérer, mais ça va le faire. Là, on a encore 5 minutes. Elle doit être réformée. Nous avons presque terminé, Hierarch. On continue, hein, on rush, hein, on est... Il ne manque qu'un générateur. Assez. Voici venu le terme de ce cycle de folie sans fin. Je m'en fous, c'était pour calibrer de machin, je sais pas quoi, il arrête les spells damage pendant un moment. Alors ça on s'en fout. Voilà, gros focus énervé. Voilà. Donc voilà. Je sais pas si on s'en fout du coup, non c'est bon. Tac. Eh bien voilà, bon bah du coup je vais les manger, donc je ferai ma petite pause, hein, voilà, tranquillou, puis vous savez aussi que on avance plutôt bien. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, puis on se retrouve bientôt pour la suite de nos aventures en mode normal. Salut salut.